やる。ma soeur pour le Madame la ministre, s'il vous plaît. nom. Dites-moi, je vous appelle parce que mon directeur de cabinet avait adressé un courrier au DGPN qui vous l'avait Oui. orienté Oui. pour sécuriser l'administration ici. Mais mon chef de sécurité est venu vous voir. Vous l'auriez dit que le courrier classait sans suite. Donc j'aimerais un peu comprendre les Pour raisons. sécuriser quelle administration? Le ministère de la Jeunesse, là où se trouve le cabinet actuellement. Et votre chef de sécurité est venu me voir, moi. Oui, Mais il a quel grade, votre chef de sécurité? il est lieutenant. Il est venu dans votre service. Demandez-lui s'il m'a vu, moi, s'il a vu le colonel Le Bamito. secrétaire l'a fait attendre. Il est rentré dans votre bureau. Il a même un papier dans lequel votre secrétaire a mis le cachet. Et lui a dit qu'il tient de vous que le courrier est classé sans suite. Alors, je ne suis pas au courant, mais non, on n'a pas vocation à garder les ministères, mais sinon on ne s'en sortirait pas. C'est toujours des négociations particulières. Ce n'est pas notre vocation, madame. Mais je ne suis pas au courant qu'il est passé à mon bureau. Hein. Je ne suis pas au courant. Personne ne m'en a parlé. Mais votre secrétaire a mis des cachets, Non, alors non, c'est il a fait du zé. Oui, ça, c'est l'accusé réception, certainement, je suppose, mais personne ne m'en a parlé. Je ne suis pas au courant. pas l'accusé de réception, en fait, c'est le document qui stipule qu'il vous a vu. Je n'ai pas un document comme ça, madame. À Non, mon non. secrétariat, il n'existe pas un document comme ça qui prouve qu'il m'a vu. Ça n'existe pas chez moi. Je n'ai pas un document comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Vous n'avez jamais reçu un courrier du DGPN? Jamais. Ah. Jamais. Jamais. Il n'a jamais reçu le courrier. Jamais. Ah bon. Bon. Qu'à cela ne tienne, je vois les administrations tout autour là, qui sont quand même gardées puisqu'il y a du matériel précieux ici. Et je voudrais savoir quelle est la démarche qu'il faut pour C'est obtenir pas la vocation de la police. Sincèrement, c'est pas la vocation de la police. Moi, je n'ai jamais mis des policiers à un ministère. Depuis que ça fait 2 ans que je suis là, je n'ai jamais mis des policiers à un ministère. Jamais. Mais les policiers que nous voyons dans les administrations là, comment ça Mais se passe? demandez-leur, posez-leur la question. Colonel, vous me demandez d'aller demander aux policiers? Mais vous m'avez envoyé un lieutenant, madame la ministre. Moi, vous m'envoyez un lieutenant. Hey, écoutez, J'ai c'est pour ça que je vous ai envoyé le demandé le grade. lieutenant faire le suivi du courrier. Je ne l'ai pas Non, envoyé vous vous me dites voir. qu'il a voulu me voir. Vous me Colonel, dites qu'il a voulu me voir. C'est colonel, l'administration, ce n'est pas une question qui me colonel, voit. colonel, vous adressez quand même à un ministre, hein, quel que soit Alors, mon madame, âge. s'il vous plaît, J'ai madame. toujours, Je ne parle pas vous et d'âge, je ne moi, suis pas subjugé. ça n'a jamais marché, hein. Mais J'ai oui, mais l'impression qu'il y a un problème. si c'est Vous me l'administration, demandez pourquoi vous d'aller m'appelez? poser des Si c'est questions. l'administration, Mais si c'est je vous l'administration, appelle parce pourquoi que vous m'appelez de nuit? vous avez classé mon courrier sans suite. C'est pour ça que je voulais Pourquoi vous comprendre. m'appelez de nuit? Non, en ce moment-là, De c'est nuit, pas il fait est pour moi. C'est 19h, je suis à l'administration. mon bureau. Je vous appelle C'est de mon bureau. l'administration. S'il vous plaît, Mais madame, s'il vous attendez, plaît, s'il vous vous plaît. prenez pour qui, au fait? Là, vous êtes devant un lieutenant, vous êtes en train de Dites-moi, m'appeler moi vous des prenez lois. pour qui? Vous prenez pour qui? Vous êtes impoli, colonel. Moi, je vous parle, vous me dites d'aller demander aux policiers. Pourquoi vous vous comportez? Vous, les fils à papa, là, vous êtes toujours comme ça, pourquoi? Vous et moi, je vous ai déjà remarqué, hein, c'est pas la première fois. C'est comme ça que vous parlez à un ministre? Ou bien parce que je ne suis pas de votre région? Vous avez un souci particulier? Hein? C'est quelle manière de me répondre comme ça, là? Vous voulez que j'aille voir le ministre de l'Intérieur pour lui en parler? S'il peut me donner des ordres, il me Hein? donnera des ordres. Si vous voulez aller Oui, voir mais le ministre de l'Intérieur, vous êtes il impoli. vient de. Vous êtes impoli, Madame, colonel. s'il vous Est-ce plaît, que vous s'il vous vous rendez compte plaît. que vous êtes impoli? Vous me demandez d'aller demander aux policiers comment ça se passe. Et vous et moi, ce n'est pas la première fois qu'on s'écorche, là. Ou bien parce que je ne suis pas de votre région, dites-moi. Vous ne pouvez pas me respecter au même titre que les autres ministres? Vous parlerez comme ça au ministre de l'Intérieur, vous? Ou bien aux autres ministres qui sont de votre région? Vous leur parlerez comme ça? Moi, je vous appelle de mon bureau. Je ne suis pas chez moi à la maison, je suis au cabinet. On vient de me rendre compte que vous avez classé mon courrier sans suite, même si vous niez que vous ne l'avez pas reçu. Le DGPN vous a fait suivre mon courrier. Et ça ne m'a pas étonné venant de vous. Ce n'est pas la première fois qu'on s'écorche, vous et moi. Un peu de pudeur quand même. Je suis une autorité de la République. Quel que soit mon âge, qu'est-ce qui vous gêne? Parce que je ne suis pas fille à papa? Je vous embête tant que ça? Vous me détestez à ce point? Mais je ne me suis pas nommée toute seule là. Un peu de respect, colonel. Vous avez un souci particulier, dites-le moi. Souffrez que je sois là, c'est le président de la République qui m'a choisi. Souffrez. Et si vous me respectez, vous respectez le président de la République. Si vous ne me respectez pas, vous le respectez. Ah! Vous avez quel souci? Vous voulez m'apprendre quoi? Que la police n'a pas vocation à patati patata. Vous allez m'apprendre. Aujourd'hui, vous allez m'apprendre ce que la police fait ici.
Vous avez classé mon courrier sans suite. Quand vous recevez un courrier, vous donnez une suite à ce courrier. Positif ou négatif, vous donnez une suite. Vous classez sans suite. Parce que vous parlez pour qui? Vous êtes le Premier ministre? Vous avez fini, madame? Vous n'avez pas le droit de me poser ce genre de questions. J'ai fini. Je ne suis pas votre ami. J'ai fini, c'est-à-dire. Parce que je veux répondre. Mais je veux vous parler. Vous n'avez pas. Mais parlez-moi avec courtoisie, monsieur. Je suis ministre. Mais là, je ne suis pas en train de parler, madame. Je ne suis pas en train de parler. Mais vous êtes en train de me poser les questions. Vous avez fini. Si vous avez fini, je peux parler. Mais vous parlerez comme ça au ministre de l'Intérieur, vous. Dites-moi. Vous parlerez comme ça. Vous lui poserez la question. Est-ce que vous avez fini? Vous lui poserez cette question. Mais ça passe chez vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez quel problème? C'est pour la première fois avec vous. Je me plaindrai même chez le président de la République. Vous avez un souci avec moi ou quoi? Hein? C'est lui qui m'a nommé, hein? Je sais que nombreux d'entre vous, ça vous fait tellement mal que je sois là. Mais souffrez que je sois là. Pour le moment, c'est moi qui suis là. Que vous le voulez ou pas, je suis là. Et vous avez intérêt à me respecter. Madame, le respect, ça ne se négocie pas, monsieur. Madame, vous avez compris. Madame, je peux vous dire quelque chose, madame. Je peux vous dire quelque chose, madame. Vous n'avez rien à me dire. Vous n'êtes pas poli. Vous n'êtes pas courtois. Je n'ai plus rien à dire avec vous. Merci.